Salut à tous, c'est Anna pour Nextage. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo très courte qui vous explique comment construire son propre spa. Alors déjà, il faut que vous choisissiez une ville. Moi ici, j'ai plus de place, du coup je vais à Newcrest. Puisque là-bas, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de terrains vides. Alors je vais en prendre un petit et je clique sur construction pour accéder au terrain en mode construction. C'est aussi simple que ça. Ensuite, en cliquant sur le petit i d'information, il me reste plus qu'à choisir le type de terrain. Je descends jusqu'à spa et apparaît une liste à droite qui me dit tout ce qu'il me faut pour avoir un spa fonctionnel. Dans les objets disponibles, j'ai maintenant l'option de tout ce qui va dans les spas. Donc je la sélectionne puisque c'est beaucoup plus pratique. Et pour pouvoir vous montrer comment faire, je vais quand même construire un petit bâtiment rapidement. Sans quoi je vais avoir un petit peu de mal à tout vous montrer. Alors bon, je fais ça très rapidement. Hein. Voilà, maintenant que c'est fait, il ne me reste plus qu'à valider tous les points de cette liste. Donc je retourne dans mes objets de l'endroit spa et je sélectionne les équipements du spa. C'est comme ça qu'ils appellent tout ce qui est tabouret de méditation, fauteuil ou table de massage, mais aussi tapis de yoga. Comme vous le voyez, à chaque fois que je place un de ces objets, j'ai le compte des objets du spa qui augmente. Et voilà, 4 sur 4, j'ai validé ça. Maintenant, on passe aux vestiaires. Les vestiaires sont comptabilisés avec des meubles de rangement. J'en place un du côté des filles et un du côté des garçons. J'essaye de faire un minimum réaliste et voilà, ça a validé les vestiaires. Bon, ensuite, il nous reste la douche, les toilettes et le lavabo. Je pose les toilettes et immédiatement, évidemment, ça valide les toilettes. Bon, vous pouvez en mettre, ils en demandent un minimum, vous pouvez en mettre 10 si vous voulez. Hein. La douche est validée. Il ne reste plus que le lavabo. J'en mets un et vous voyez, j'en rajoute même un deuxième pour le côté des filles. Et ça met 2 sur un minimum. Bon, maintenant, je rajoute des portes juste pour faire comme si c'était véritablement des vestiaires, que ça fasse un peu plus vrai. Déjà que je l'ai fait en 2 secondes. Il ne me reste plus qu'à trouver un nom pour mon spa. Bon, là, rien de très original. Hein. Je vais mettre Spa de Nextage. Il est déjà fonctionnel. On a, si on veut, la dimension et la valeur du terrain. Maintenant, pour qu'il y ait un professeur de yoga dans votre spa, il ne faut pas utiliser les tapis de yoga de base. À 125 $, il faut utiliser les tapis de yoga de professeur, qui comptent 42 petits carrés de décoration. Et ensuite, vous pouvez placer les plus petits tapis qui ne prennent que 6 carrés de décoration et les placer autour du tapis du prof. Si vous n'avez pas le tapis du professeur, aucun professeur ne viendra. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez mettre plusieurs tapis de professeur les uns à côté des autres. Moi, mon terrain est plus petit, donc je ne peux pas vous le montrer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder votre terrain. Ici, je le fais directement en quittant, puisque maintenant, mon spa de Nextage est accessible à mes Sims. J'ai choisi Sarah Jolie. Je l'emmène à Newcrest, dans le nouveau spa, qui est tout petit, tout moche, mais fonctionnel. Et voilà. Et comme vous pouvez le constater, il y a un réflexologue qui va avec mon fauteuil de massage, une masseuse qui va avec la table de massage et la prof de yoga qui vient à côté de son tapis de yoga et qui peut bien évidemment donner ses cours de yoga. Comme on le voit ici avec Sarah qui apprend, qui apprend lentement mais sûrement le yoga. Nous saluerons d'ailleurs le fait qu'ils aient choisi des véritables positions de yoga. Et voilà, le tutoriel touche à sa fin, c'est une vidéo courte mais efficace. Mon spa ne ressemble pas à grand chose, évidemment j'espère que vous en ferez des plus jolis que ça. Hein. Mais au moins vous avez toutes les bases pour construire votre spa correctement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite de mon let's play, avec la famille Jolie. Allez, ciao !